Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je voulais vous présenter le Crystal Ball Pocket Oracle. Donc c'est une toute petite boîte noire comme ceci. Donc c'est des, y a que 13 cartes. En fait, c'est un tout petit oracle. Donc je l'ai commandé d'occasion aussi sur Vinted. Donc le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres. Donc je pense que je les ferai de cette couleur-là. Elles sont assez épaisses. Et en fait, c'est un oracle pour vous poser une question et il va répondre. Donc là, je vais vous. Donc j'ai fait la traduction avant, comme ça au moins je peux vous traduire. Donc la première carte, celle-ci, c'est pas besoin de s'inquiéter. Celle-ci, choisir une nouvelle direction. Donc j'adore les illustrations. Je vais vous approcher un peu plus. Bon, ça, on sait que c'est le oui. Donc là, c'est un signe. Donc, si vous avez une petite question ou quoi, bah, vous mélangez le jeu et vous tirez une carte. Peu probable. Allez, c'est le bon moment pour, ça dépend ce que vous posez comme question. Enfin, ou quel est votre problème. Donc ça, c'est le non. Là, c'est allez-y, enfin, vas-y. Là, obtient plus d'informations. Elles sont vraiment belles, hein. J'aime beaucoup. J'ai craqué sur les illustrations, en fait. Reconsidérer, donc là si vous posez une question sur je sais pas quelque chose, mais on vous dit de reconsidérer le sujet. Je suis désolée, j'ai mes chiens qui aboient. Ce n'est pas le bon moment. Tu vas dans la bonne direction. Et celle-ci, écoute ton intuition. Donc je vous propose de vous poser une question. Enfin, que vous vous posiez une question. Moi, je vais m'en poser une. Et on va voir la réponse. Ah, donc il y en a une qui est tombée. Et donc celle-ci, c'est obtient plus d'informations. Donc, enfin, moi par rapport à ma question et vous à votre question, ben, on nous demande d'obtenir plus d'informations par rapport à la question qu'on a posée. Donc voilà, c'était mon petite présentation, mais je voulais le présenter quand même parce que je trouve qu'il est beau. Et je crois qu'il est sur Etsy, me semble. Mais bon, voilà, le jeu en lui-même n'est pas cher, mais comme je crois qu'il vient des États-Unis, je crois, je ne suis pas sûre. Donc bien sûr, bah, il y a les frais de port qui sont chers, les frais de douane, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo du Crystal Ball Pocket Oracle. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Merci.